Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le sixième épisode de mon Let's Play sur le jeu Banished saison 2. Alors, vous avez essayé la dernière fois, on avait des très gros problèmes de matière première. On est totalement à la ramasse à ce niveau-là. Mais de toute façon, j'y peux rien, il faut qu'il récolte. De toute façon, je peux rien faire grand-chose. Je peux pas faire grand-chose à propos de ça. Si ce n'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'il me finisse ça. Il faut qu'il le fasse en vitesse. S'il pouvait faire vite le Wooden Bridge, ça serait génial. Mais d'abord, il faut qu'il me finisse la Wooden House. Une fois qu'ils auront fini le Wooden Bridge, en fait, ça me permet d'accéder ici. Je vais raser une bonne partie du terrain. Genre, récupérer des ressources. Une fois que ça sera fait, normalement, mes stocks de matières premières seront déjà un peu mieux. Est-ce que ça va bien ? Mais j'ai la bouffe qui se barre. Ah mais je vais bientôt récolter des champs donc c'est bon. Pas de problème à ce niveau là. Donc ça creuse, il y en a... Il y a une gamine qui joue au beau milieu d'une mine, d'une carrière quoi. Ça c'est dingue, ça c'est très très drôle. Non mais casse-toi. Non. Ok, d'accord. Voilà. Donc alors, construisez-moi ça. Construisez-moi ça, une fois que ça sera fait. Non, mais finissez-le, voilà. Non, mais... Bande de travailleurs du dimanche. Bande de travailleurs du dimanche. Allez, revenez. Puis il faudra que j'améliore les routes une fois que j'aurai assez de pierres. Pas tout de suite. Ok, voilà, une maison, c'est fait. On peut lancer ça. Allez, maintenant, vous me finissez ce pont en bois. Une fois que vous aurez fait ce pont en bois, je vais pouvoir tout raser ici. Il faudra que je fasse un deuxième pont par ici. On pourra raser ici aussi. Je ferai deux zones de forestières. Une là. Donc les zones forestières identiques à celle-là, histoire d'être tranquille. Hein. C'est-à-dire les quatre bâtiments posés. Et puis ça sera bon. Ça sera très très bon. C'est des choux. Cabbage, c'est des choux. Ça ressemble fortement à des choux, en tout cas. Là, ça en est où? 43,72. En fait, il me faut énormément de bois, quoi. Sauf que je peux pas aller raser du bois comme ça. Si, à la limite, il y a ici, quoi. Faut couper du bois comme ça. Tchoc. Et alors... Là ça creuse, du coup la stone et l'iron remontent un peu, quoique. Évidemment, vu qu'ils sont en train de faire des outils qui partent à une vitesse absolument folle. Ce qui me fait penser que là on est à plus de 5 enfants. On n'a pas énormément de d'enfants, et oui, ben. En même temps, on a les premiers anciens, pas en chien. Qui arrive, 61, 62. Oh la vache. On a nos premiers vieux. Voilà. Heureusement que j'ai un cimetière de près, hein, et que j'ai fait des maisons un peu de façon régulière. Parce que là, on va avoir nos premiers vieux, donc ça veut dire nos premières pertes. Nos premières pertes, et donc du coup, ça va être un petit peu la galère. À un moment. Reserve of Iron is low. Je veux du bois, 52 sur 72, il m'en manque 20. Il m'en manque 20. On est en automne. Eh, ça fait bientôt presque 10 ans que cette petite communauté existe. C'est très très bien. Vous n'avez pas envie d'harvest la fin là? De récupérer ce qui reste? Ah mais c'est normal, c'est parce que... Je suis full. On va passer à 10 000. Hop, je me suis renseigné d'ailleurs à propos de c'est où ? Du market. Alors en fait, les markets, ce qui se passe, c'est une sorte de storage pour les biens. Sauf que tout ce qui est dans le cercle jaune, bah, ils vont aller en priorité, les villageois qui sont à l'intérieur vont aller en priorité récupérer leurs biens dans ce cercle, enfin au market. Donc en gros, je vais mettre un marketplace ici, un marketplace là, je mettrai les maisons autour. Et puis ça ira bien. Ça ira très très bien.
Alors, on a un enfant qui est né. Très bien. Reste 4. Et après, il restera les 54 à Harvest. Non, pas Harvest. À Build. Voilà. Alors. On va attendre encore un peu, hein. Il manque un poêle de bois. 86 de cette saison. Il faudra vraiment que je fasse un Forester Lodge en priorité par là et par là. Histoire qu'on ait plus de problèmes de bois. 10 000 de nourriture. 10 000 de nourriture, c'est complètement fou. D'ailleurs, je suis presque full sur les deux, quoi. Incroyable. Je suis presque full. Bon, bah. Ouais, je sais. 70 sur 72. Je sais pas trop quoi faire de la nourriture, du coup. Parce que j'en ai énormément. Et du coup, vous foutez rien, vous. Forcément. Ils sont énormément à rien faire. Ah là là. Du coup, j'ai peut-être baissé. J'en ai enlevé 3. Et vous allez miner et stone cutter. Vu qu'il n'y en a pas besoin. Ils sont beaucoup à rien faire, mais bon. Ah oui, d'accord, ils sont tous autour du puits à s'amuser. C'est génial, hein, vous foutez rien. C'est les vacances, c'est les vacances. Ça y est, le pont est presque fini. Le pont est presque fini. Allez, vous me le finissez, s'il vous plaît. Allez, vas-y, travaille. Yes! Allez, c'est parti, mon kiki, on va pouvoir récupérer les ressources. Déjà, on va virer ça. Et ça. Une fois qu'on aura viré tout ça, on pourra commencer à s'attaquer au reste. Reserve of Iron is low. Ah, mais là, pas de problème. Ah, si je commence à avoir des petits problèmes de firewood. Ah oui. Forcément, il n'y a plus rien. Ah, la santé descend un petit peu. Que se passe-t-il? Méfiance. Ah, peut-être que je me fasse un hôpital. Vous voulez pas aller récupérer tout ce qu'il y a ici? Non? Vous êtes pas mal à rien faire là. Ah si, ça a l'air d'aller. Il y en a qui font des trucs ici? Ah si, il y en a qui font des trucs. Il y en a qui font des trucs. Ça va être assez long à tout récupérer, mais au moins ça va me faire des ressources. Là pour l'instant c'était un peu la galère. Là la mine qui descend, de même que la carrière. Du coup en hiver ils sont beaucoup à rien faire. Autant que ça les occupe. Est-ce que je me pose la question là en fait en ce moment? Est-ce que je fais directement le Forester Lodge, voilà. Vu la taille du truc, le Forester Lodge, il faudrait que je le mette par là. On va faire la nouvelle zone forestière par là. Ça, c'est clair et net, déjà. On va faire une nouvelle zone forestière ici. On va le faire ici. Je suis en train de me poser la question. Pause. Je vais commencer par le poser ici. Ensuite, il me faut une gazer hut, un herboriste. Je sais pas si c'est pas un peu trop. Je vais les poser. Je vais pas forcément les lancer.
On va faire ça comme ça, je vais pas forcément les lancer, au moins j'aurai les emplacements s'il faut quoi. Ah, je me suis chié. Non, ça va? Non, ça va. Ah si, je me suis un peu chié. Bon. C'est pas grave. La Gather Hut et la Hunting Cabin. Bon, je me suis un peu chié au niveau de des posages, on dirait. Et mais je pourrais le supprimer, celui-là. Toc, voilà, c'est bon. Et c'était la... L'herboriste ou c'était le woodcutter? Non, c'était le woodcutter. C'était le Forester Lodge. Donc en priorité, je me fais le Forester Lodge. Toc, parce que là, c'est de la nourriture et des herbes. Et on en a largement assez. Peut-être pas forcément au niveau des herbes, donc... là, ça va. Ensuite, il faudra que je me fasse un marché. Il faudra aussi que... En fait, je vais remove les ressources jusqu'à ce niveau-là. Oh, ça en fait. Voilà, ici, on aura un énorme espace de jeu. On pourra être tranquille. Bon, et le woodcutter, il est passé où, mon woodcutter, là, Eo? Il est en train de travailler, mais que dalle, il travaille pas, là, pour l'instant. T'as du bois en stock. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le monter. 720. Donc, faut que tu bosses, là. Il est où? Ah, quand même. Il travaille. Je crois que j'ai quelques problèmes à ce niveau-là. Il faut que je fasse un deuxième woodcutter, je pense. Et oh, voilà. Donc, on a genre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Où sont mes constructeurs? Ils vont chercher des ressources. Travail, sauf que je les vois pas beaucoup travailler. Ah, il y a un laboreur qui est arrivé. À la limite, le laboreur, il me sert plutôt pas mal. Bon, attendez, là, il y en a qui se mélangent un peu les pinceaux. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils m'enlèvent les ressources qui sont de l'autre côté, ce qu'ils sont pas franchement en train de faire, j'ai l'impression. Et qu'ils me construisent ce Forester Lodge. Ce qu'ils sont pas non plus en train de faire. Qu'est-ce qu'ils foutent? On cherchait à bouffer. Ils travaillent, mais comment ils travaillent? Ils cherchaient à manger. Travaille très bizarrement. En plus le bois qui se barre. J'ai lancé une construction. À part le Forester Lodge, je crois pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? C'est pas ça que je vous demande. Vous êtes beaucoup trop loin, c'est ça? Je sais pas, il y a un truc. Je ne comprends pas. Il y a un pont, hein, vous êtes censé pouvoir passer. Attendez. Ouais, ils sont censés pouvoir y aller. Je ne comprends pas. Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi ils vont chercher des ressources? J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire le travail de laboreur alors qu'ils sont pas censés le faire. Toc, je vais le relancer, peut-être que... Ils iront travailler. Parce que voilà, ils sont en train de faire le travail de laboreur alors que c'est pas leur job. Toc, on va les réaffecter, peut-être que c'est ça. Pourquoi ils font pas le travail de laboreur? Ah.
Non, c'est pas ça. Ah, ça, c'est un laboureur, donc forcément. Est-ce qu'elle va y aller? Enfin, il d'ailleurs. Non! Je sais pas ce qu'il allait faire. En tout cas, ça lui a pris longtemps pour pas grand chose. Je ne comprends point. Ou alors, ce qu'on pourrait faire. Je sais pas si ça va passer. On va faire un market ici. Et j'ai envie de dire, et puis zut. Hein. Ça a intérêt à passer. Ah, c'était peut-être pas le meilleur endroit. On va faire un chemin, c'est où? Eh oh! Ah, c'est là! Faire passer tout droit. Ça y est, ils sont en train de virer les ressources. Ça leur a pris longtemps. Toc! Bon. La question, est-ce que ça va passer? Ah, oula, on a plein de laboureurs d'un coup. Il faut être 6 pour celui-là. Oh mon dieu. Peut-être lancer les 6. J'ai plus d'enfants. J'ai vraiment plus d'enfants, il y a des problèmes. Il me faut plus de gosses, sinon je vais avoir des gros problèmes démographiques. Je crois qu'il y en a qui sont trop vieux. En même temps, 45 ans... 45 ans, ça commence effectivement à faire un peu vieux pour... personne. Ah! Reynald the Gatherer has died of old age. Ok, bon bah, un Gatherer est mort de vieillesse. Dommage. Bon, là on va avoir le droit à une série de morts. J'espère que ça va aller. Donc je vais essayer de construire une nouvelle maison parce que sinon on va avoir des problèmes. Oh là là. Des problèmes de ressources dans tous les sens. Ça va pas. Ça va vraiment pas. J'ai l'impression que mes laboureurs ne travaillent pas. Mais virez-moi tout ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'ils foutent, mes builders? Il cherche à manger, il va chercher des ressources. Mais va pas chercher du poisson. Bon, ça, ok, il construit la maison. C'est sans doute la seule personne qui travaille correctement, quoi. C'est grave. Ok, un nouveau couple. Là, elle se balade, ok, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Là aussi, elle se balade, elle se balade, elle se balade. Wow, 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 arrêtez de vous balader, quoi. Oh la vache. Oui, bah, une fois qu'ils auront fini ça, je pense qu'au niveau de la capacité, ça ira mieux. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est totalement aléatoire leur job. J'ai l'impression qu'ils font totalement ce qu'ils veulent. Au niveau de la priorité, c'est très bordélique. C'est très très bordélique. Là encore, elle fait quelque chose qui me va, c'est elle récupère des éléments qui sont à côté, mais quand même. Ah là là. Bon, niveau nourriture, je suis largement au-dessus de ce qu'il me faut. Après, j'aimerais bien des enfants. Faites des bébés! Et ils sont que deux, les enfants, et ça va pas du tout. Obligé de faire de nouvelles maisons. Ah, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que là j'ai mes travailleurs qui ne foutent absolument rien. Allez travailler, voilà, ça y est, maintenant que vous êtes laboureur, vous allez travailler.
Mais ils sont les trois quarts en train de rien foutre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Idling. Oh. Je sais qu'il y en a qui ne travaillent plus parce qu'ils ont... On a trop de nourriture, mais quand même. Tac. Faut une partie qui aille travailler quand même. Tac, allez récupérer des matériaux. Et les laboreurs, vous voulez pas aller chercher ce qu'il y a un peu partout là? Oh la vache. Ils foutent rien. J'aurais jamais dû mettre ce puits parce que là il se balade un peu juste à côté en faisant rien. Oh c'est dingue. C'est dingue. Bon, on va quand même arrêter là l'épisode parce que ça fait 20 minutes. Je vais m'enseigner parce que je sais pas pourquoi ils ne foutent rien comme ça. Je vais voir. Je vais regarder si je peux pas régler le problème. Toc, petite pause pour conclure la fin de cet épisode. Et ben c'est un peu la galère parce que voilà, ça fout rien. Vous avez remarqué que, que mes villageois ne foutaient pas grand chose. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont trop éloignés de leur objectif. Donc c'est pour ça que je vais faire un market. Au moins ils seront. Ça sera plus simple. Voilà, j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde !